Ah, ba mama ba tata bandeko, ba mama ba tata bandeko, ba kati lisusu. Ngai awa nazaka na problème, mutu moko, soki amoni kaka des amis de wechi, soki amoni kaka des amis de wechi, to bandi kopesa makambo ya mutuya, il faut kaka akota, a déranger. Ngai na bandeko tika bino, nabandaye kotika ye, pardon, nabandaye kotika ye, botala, ndenge batu bazaka na haine na les amis de Wechi. Na sali nini? Tobandi kosolola makambo, oyo na ba papa Placide, mutu akoti, akati, mutu akoti, akati, pour déranger kaka les amis de Wechi. Et ça pour nanini. Botika motema mabe, parce que seul média, oyo, ils ont pesa makambo ya mutuya. Seul média, soki. Et ça, l'analyse et na ba image na. Seul média, oyo yaka na ba image na ye, les amis de Wechi. Mais seul média, oyo bazo tungisangai na ndenge ya mabe. Thème ya lelo, eza conférence de presse, ya ancien premier ministre, Adolphe Muzito, y a lobby, il faut soit kobeta ba Rwandais pour ba respecter biso. Ndenge na yibisa kibino, toza na thème oyo toko miko développer mikolo oyo, président Félix Tshisekedi, Tshilombo entre les marteaux et l'enclume. Lelo toko développer conférence de presse. Il y a papa Muzito, il y a lobby, il faut qu'on bête à Rwanda, qu'on annexe même Rwanda. Nde auti ko sala conférence de presse lelo. Nakati ya conférence de presse, a lobby makambo ebele. Merci beaucoup, papi, okoti, omoni ndenge batungisaka ngai. Ah ouais, chi kolabo, ah ouais, chi boye, soki na bandi ko expliquer, okomona bakoti, ba informaticien bakati, ngai pe na natikaka bango. Po ya kolakisa motema mabe na bango tobandaki emission na biso kitoko et puis bakoti bakati ngai nasalaka na ngai rien natika kaka bango po ya kolakisa motema mabe oya biso bakongole me bakokoka te les amis de Wechi eza media ya Nzambe media oyo tosalaka analyse na badokima lelo tokomema bino na Goma. Tokomema bino na Goma ndenge nayibisaki bino Kabila sur le plan international zéro faute. Fatshi c'est lui le sauveur du Congo si seulement si azolanda ba reportage oyo tobandi Fatshi entre les marteaux et l'enclume ba reportage oyo soki alandi yango c'est Fatshi qui sauvera le Congo. Donc, analyser conférence à Papa Mouzito, à l'objet, il faut annexer les Rwanda. Il faut que bête à Bango. Cyprien Wetchi a comme Mabino Nagoma, Kolakisabino, image à l'appui que sur le plan international, Kabila zéro faute. Donc, Kolakisabino, peut-être qu'on décortique conférence de presse à Papa Mouzito. Conférence de presse à Sala Kiango, Lelo na Kinshasa, devant les journalistes, il y a Kafu Kafu. Pe tokoyebisa bino ndenge nini efonctionnaka pour ne pas vous prendre beaucoup de temps parce que komi makambo ebele kolobaloba mingi eza mabe tozonga na conférence de presse oyo papa Muzito auti kosala bon tokende tozonga nano na conférence de presse oyo papa Muzito auti kosala et puis nde ba mama ba tata ba ndeko tokoya ko Au moins, qui sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, nous pouvons mener la lutte, y compris au salon de l'opérateur. C'est pourquoi on ne dira pas de notre. Ba biloko nyonso to préparaki La CENI, etc. Ba yeko déranger biso. La formule de la révolution. Donc, un pays change soit par les réformes si on a la démocratie, par la révolution si on a. Tose là, to Il n'y a comme pas on a d'autre place solution que Wana. cette double démarche Tose là. qui, pour nous, est complémentaire. Alain Hiro.
Kirunga pour Radio Kapi. Boland. Prenons le volet sécuritaire. Quelles sont les propositions concrètes de la MUPA pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC, notamment à Beni? Mais en attendant, on peut plus ou moins calmer la situation en renforçant la MONUSCO en ce qui concerne la brigade d'intervention rapide. Nous avons lancé un appel à la direction de la MONUSCO, de la communauté internationale de manière générale. Et nous avons lancé un appel à notre armée pour qu'elle se restructure, pour qu'elle soit vigilante, de manière à ce que les infiltrés qui, dans l'armée, tuent, soient extirpés de notre armée. Mais ce n'est qu'une proposition de transition. Mais la vraie guerre qu'il faut mener, elle ne peut être menée que par un État fort, stable, issu des institutions légitimes à la suite des élections démocratiques. Ça, c'est sur les plans internes. Mais sur les plans internes, nous devons avoir une vraie défense, une opinion, et que la solution à l'est du pays, c'est d'abord une solution de la défense, non pas une solution sécuritaire. La défense, c'est qu'il faut régler la situation avec le Rwanda. Régler la situation, il faut faire la guerre au Rwanda. Si nous voulons contrôler l'est de la République, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais pour faire avec le Rwanda, il faut une armée, d'où il faut un pouvoir fort, avec des bons finances, occuper le Rwanda, à la limite, annexer le Rwanda au Congo. La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPGL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas fin aux questions de sécurité. Donc il faut d'abord la défense. La défense, seule l'option de la défense nous permet d'avoir des solutions sur le plan sécuritaire. Pour faire la guerre au Rwanda, occuper le Rwanda, muscler le Rwanda, annexer le Rwanda. La CPGL ne peut se faire qu'à ce prix-là. Les Rwandais, l'élite rwandaise aime tellement les Congos, les richesses du Congo, qu'elles viendront. Exploiter ça avec nous dans le cadre de la CPGL, après qu'on ait réglé. Comment vous pouvez-vous, élite congolaise, vous journaliste, penser qu'il est normal que les Rwandais influent sur la politique congolaise? L'Ouganda influe sur la politique congolaise en disant nous voulons tel plutôt que tel, ainsi de suite. Et que nous ne sommes pas en mesure de dire qui nous voulons comme président au Rwanda. C'est parce que nous sommes faibles. Les premiers défis, il faut les lancer à nous-mêmes. Tant que nous n'aurons pas une armée, et nous n'aurons jamais d'armée si on n'a pas une bonne économie et par conséquent des bonnes finances, pour être en mesure de financer notre armée, le Rwanda va se discipliner dès lui-même. Nous pourrons faire la paix déjà en organisant notre État. D'où les principes de la solidarité qui doit caractériser nos rapports au sein du peuple, au sein de la classe politique. D'où la nécessité d'avoir un pouvoir légitime capable d'organiser l'économie, d'avoir de bonnes finances et d'être capable de financer une armée pour que les Rwandais se disciplinent, tous nos voisins qui nous importunent. L'intégration sous-régionale qui est une nécessité. Qui aurait pu faire que les Rwandais viennent au Congo par la grande porte? Pourquoi les Chinois, les Asiatiques, les Indiens peuvent venir investir dans notre pays, pas les Rwandais, pas les Ougandais? Pourquoi pas? Ce sont les Africains et les Congolais, de manière générale, nous sommes africanistes. Les Rwandais peuvent venir investir, exploiter. D'ailleurs, les 10 000 ou les 5 000 ou 8 000 kilomètres carrés qu'ils veulent avoir et qu'ils n'auront jamais, en tout cas qu'ils n'auront pas dans la paix. Et la guerre sera longue et peut-être éternelle. Ils ne l'auront jamais. Ce 10 000, c'est peu par rapport à ce qu'ils peuvent avoir avec le Congo. Mais pour cela, il faut qu'un Congo solide qui sécurise les intérêts des communautés, qui sécurise les intérêts des citoyens, qui sécurise les intérêts, y compris des Rwandais, des Angolais et tous les autres compatriotes africains qui peuvent venir au Congo. Il n'y a que dans la paix. Il n'y a que dans les respects mutuels, il n'y a que dans la sécurisation des intérêts des communautés locales, congolaises, rwandaises et autres, que nous pouvons travailler ensemble et mettre à la disposition de l'Afrique, nous Congolais, tout ce que nous avons comme opportunité, mais aussi profiter des opportunités qu'il y a au Rwanda. Pourquoi pas? Alors, pour obtenir ça, il faut faire la guerre au Rwanda. Ce n'est pas en pleurnichant. Peut-être que cette guerre-là ne sera pas nécessaire si déjà nous montrons que nous sommes forts, nous Congolais, et que nous avons la cohésion entre nous.
Les Rwandais pourront venir s'installer au Congo, faire le commerce, exploiter des richesses minérales, faire l'agriculture, avoir des concessions. Pourquoi pas, mais en respectant les droits des Congolais, les droits de l'État congolais. Mais cela n'est possible que si nous-mêmes, on se réorganise. De sorte que les Rwandais qui sont nos frères, parce que nous, moi j'ai étudié avec les Rwandais, je ne savais même pas. Donc nous, nous sommes toujours bien comportés. Peut-être que les cafouillages qu'il y a dans notre pays obligent les gens, les multinationales, les Rwandais et tous les autres, de venir prendre frauduleusement ce qu'ils auraient pu prendre en toute transparence en travaillant avec le Congolais, quitte à ce que la part des Congolais reste au Congo et la part des Rwandais qui veulent rapatrier chez eux. Je le dis pour les Rwandais comme je le dirais pour tous les autres Africains, tous les autres voisins. Ce n'est qu'en ayant une armée forte, en menaçant le Rwanda, en l'occupant si c'est nécessaire, en l'exploitant ou en l'annexant, en l'annexant au Congo, pour qu'on fasse un même pays ou une confédération congolaise, ce n'est qu'alors que nous aurons la paix pour que nous puissions développer la sous-région des Grands Lacs. Bamama batata bandeko, bouti kolanda, papa mouzito, namoni batou ebele, 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 ba mama ba tata bandeko na uti kolanda papa muzito na moni batu ebele ba fâché d'abord ba bonane na imoni dompe ya lobi atinda bana na ye batu ebele j'ignore matabishi vous le faites express d'être bête ou vous faites semblant ou muzito a proposé une guerre contre les Rwanda. Ba mama ba tata ba deko bozo comprendre te to bandeki koyebisa bino sel media oyo eza na makambo ya Congo sur le plan international les amis de Witch sel media oyo eyebi ko interpréter ko sala analyse il y a Makambo Yakongo sur le plan international, c'est les amis de Wetchi International. À ne pas confondre avec Cyprien Wetchi. Cyprien Wetchi, c'est un individu. Les amis de Wetchi, c'est toute une équipe. Pour nous, dans la conférence de presse, nous avons décevé le bateau et délé le lot. Nous avons décevé le bateau et délé, mais nous avons convaincu le bateau et délé. Nous avons ébandeli l'air de Koloba. Tu vas la déçu comme d'habitude, mais après, n'a pas convaincre. Soutien total na discours, na conférence de presse et à Muzito. Soutien total et à Cyprien Wetchi na conférence de presse oyo et à papa Muzito. N'a pas journaliste au bazar qui na kati. Ba comprenant que papa Muzito te. N'a pas ton mobimba, bazo comprendre. Papa Muzito te. Na entourage à président de la République démocratique du Congo, na outi kotanga na réseaux sociaux, ba fingye, na ndenge ya mabe. Me batu bazo sosolate. Eza neti tozala ki na Genève, l'air président Félix Tshisekedi Tshilombo a retiré signature, ngai na lobby, Félix a sauvé le Congo. Ba moni ngai fou, lelo ba komi kopesa ngai raison, nde lelo awa. Conférence de presse Oyo n'a pas ce soutien total 1000% et puis conférence de presse Oyo ayez qu'on soutenir ba action il y a président Félix Tshisekedi Tshilombo au contraire président Félix Tshilombo soki azalaki na ba stratège il fallait babenga papa Muzito parce qu'après si ba proposition nyoso Oyo nga na bana ko pese la bino il y a pas cela 3 jours na émission na ngai oyo na lobby fati entre les marteaux et l'enclume makambo nyoso oyo a lobby on dirait abane ko landande émission na ngai émission oyo ya les amis de Wetchi on dirait papa Muzito aza fan ya les amis de Wetchi a lobby makambo oyo na apesela kibino na ba image il n'y a pas cela 2 ou 3 jours papi Mbuyamba témoin dans pays témoin et mon cœur que c'est témoin Van Mwanza malgré qu'elle n'a pas été témoin Van Dunia binonyoso ba joyeux Noël na ba bonne année boza ba témoin naïb sakibino chez les amis de Wetchi c'est la qualité et ce n'est pas la quantité
Batu oyo ba respectaka ba valeur nde bayaka kotala émission na ngai, batu oyo bazaka na bwanya nde bayaka kotala émission na ngai, batu oyo ya quantité bayaka te, qualité nde bayaka neti namoni papa Pierre Legrand, c'est la qualité nde ayaka na émission na ngai. Et Jean-Pierre Bongouya, c'est la qualité. Placide, c'est la qualité. Les amis de Wetch, c'est la qualité. Pierre Legrand, conférence de presse, il y a papa Mouzito, et appuyé, bah, action, il y a président de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, président de la République démocratique du Congo doit recevoir papa Mouzito. Papa Mouzito a expliqué, Makambo ya lobby. Makambo ya lobby, m'de. Et ça, la numéro 1. Parce que tout ça, là-bas, numéro 1. Les lots émissions, oh, ils ont numéro 3. C'est pourquoi la bande dit qu'on numéroté. Fachi entre les marteaux et l'enclume. Numéro 1, numéro 2. On dirait Atalaki, numéro 1 et numéro 2. Les marteaux, c'est qui? Les marteaux, c'est la communauté internationale qui impose consolidation et à CPGL. La discours n'a pas lobby CPGL. Communauté économique des pays des Grands Lacs. La population, le cola d'un pays, à lobby Rwanda, il faut beau zonga et pas inabine. Communauté internationale à lobby, solution n'est pas militaire. La solution est diplomatique et politique. Et puis papa Mouzito a pensé les deux solutions. Première solution, guerre, ceux qui guerrent. Échoué, tokoya na solution politique et diplomatique. Il faut koye ba dossier à Makamboyo. Pour yako comprendre conférence de presse ya papa Mouzito. Comme ba journaliste ebele ba zo yaga wana ba yebi dossier te. Omoni nenga sali conférence de presse oyo. A bengi ba journaliste oya gayare ya Kinshasa. Mais ba, comme ba zo maîtriser dossier te. Ba zo maîtriser dossier te. Ba poser ba question te. Ba komikaka, Mouzito, ba zui une phrase dans un contexte. Et puis on place dans un autre contexte. Contexte, c'est où on a échangé sens. Ce qui est dans les réseaux sociaux, on prend une phrase de Mouzito dans un contexte et on la place dans un autre contexte. Sur le plan sociologique, ça change. L'essence. Et puis, on désoriente les peuples congolais lorsque Barkomi, Mouzito a lobby, il faut annexer le Rwanda. Il faut faire la guerre au Rwanda. De Bazoui. Makamboya CPGL, Bazoui a angoté. Donc, on a pris une phrase. Et lorsqu'on prend une phrase dans un contexte, on la place dans un autre contexte, on change le sens du terme. On n'analyse pas les contextes dans lesquels Mouzito a prononcé cette phrase. Et cette quinoiserie. Et là, j'ai rejoint mon ami et mon frère, Placide. Moi, dans le Congo central, si je ne me trompe pas. Oyalobaka Bavaler. Maintenant, là, qu'on explique, dis non. Bonsoir, Désiré, bonne année. Bonjour, Pierrot était là. Cosa pété. Pierrot était là. Cosa pété. Joyeux Noël d'abord, ba bonne année. Cosa pété. Parce que ma kambo ya mutuya. Oh yo, papa Mouzito a outi koloba. Maintenant, tobandi, ko expliquer. Contexte, ya papa Mouzito. Tout d'abord, origine et conflit entre. Bissoba Congolais, na Rwanda. Origine, oui, Désiré, allô Fred. Origine, il y a conflit na Bissou, et ça, humble, il y a Léopoldé. Tout bandana, non, na origine, il y a conflit. Origine, Léopoldé a zongi. Ba Rwandais, ba zo reproché, Belgique, ba lobby, Léopoldé a za mouibi. Na 1885, Léopoldé, Azouaki, ma belé na bango, a pesi
na Congo. Donc leur ba traça qui ba frontière, né origine à conflit biso na Rwanda. Et ça mibale, mabele na nationalité. Ba lobi Leopoldé a ça mouibi. Leur ba traça qui ba frontière ba parti à Rwanda. Leopoldé a zwa ki yango a pesi na Congo. Ba tracé ba frontière. Rwanda a ça na problème ya surpopulation. Mais ba lobby, non. Et puis, a outi na génocide. Partout, ce qui paye a outi na génocide, ba pesa kaye ba bele. Mais il fallait maintenant, ba pesa ma bele au ya Congo na Rwanda. Ba américain, ba anglais, ba sud-africain, ba lobby, c'est vrai, il faut, to pesa ma bele na Rwanda. Belgique à défendre Rwanda bango. A lobi, Rwanda biso, a iba ki mabele ya mutute. Mabele oyo eza ya Congo. Puis on a tracé des limites. On ne peut plus revoir ba limite wana. De conflit ya liboso wana. Donc, Amérique, Banglais. Banglais baza na kanda ya Leopoldé. Ba lobi lisusu na Rhodesie. Kuna na Lubumbashi, parti moko, ezalaki ya Zambi, Leopoldé, aibaki yango, apesi na Congo. Ba anglais, ba lingaka Leopoldé. Ba lingaka Leopoldé ti. Bo kompra, bo eskizenga na lingala, lingala sipi, wacheza lingala swahilize. Bo komprande kaka, bo komprande, eza lingala swahilize. Bo komprande context. Donc, ba anglais, ba lingaka Leopoldé. Alobi Leopoldé, ezalaki dribbler. Na Rhodesie, kuna na Lubumbashi, place ya babinere ya cuivre, ezalaki ya Rhodesie, ya Zambi, ya azwa ki yango apesi na Congo. Na Rwanda, azwi mabele ya Rwanda, apesi na ba Congolais. Na ba Américain, na ba Anglais, kote na bango. Ba Belge, na ba Français, kote na bango. Ba lobi, les frontières sont intangibles. Et puis, ba député na biso, bakutana ki na Afrique du Sud oya ba Rwanda na oyo ya biso bazala ki représenter na 5 députés na panafricain na ko reprendre maintenant tokende na Afrique du Sud botala ba député ya Rwanda na ba député na biso bakomi ko swana pona mabele de origine à conflit d'abord. Il faut boyer ba origine à conflit. Loko la biso to lobaka mingi mingi na ba image ba mama ba tata ba ndeko. Ba mama ba tata ba ndeko. To kende kota la ba image parce que biso ba les amis de Wechi. To lobaka na ba image. Nde boko ya ko comprendre ba biloko ebele soki ba image ezate. Pour comprendre et l'autre comme mon côté Bolanda qu'en est-il aujourd'hui monsieur le président? Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du processus. Aussi faut-il aller jusqu'en profondeur du problème que nos deux pays héritent de la colonisation. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Monsieur le Président, je vous remercie pour la parole et je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs qui ont exprimé toute leur reconnaissance à la Commission qui a présenté un travail de qualité. Monsieur le Président, je veux être très bref, en dépit du fait que cette question, particulièrement de la RDC, soulève de la passion en moi, puisqu'il s'agit de mon pays. Et en ce qui concerne les causes et les origines qu'avait évoquées tout à l'heure mon collègue du Niger, mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée
du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement, qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte. Bolandi, Bolandi, parce que il faut chaque fois qu'on reprendre. Ah ouais, c'est histoire. Histoire, on a idéologie à Saint-Thomas. Une puissance, il y a des amis de Witch. Idéologie à Saint-Thomas, c'est-à-dire Congolais à Tangakate. Congolais à Zana, culture et audiovisuel. Des autres badaïs qui ont comme livre, en image. Au monde, il n'y a pas. Na lobby, na la Kisibino, député rwandais, à lobby. Bater na bango et ça na Congo. Problème oyo to hériter ango na colonisation, c'est-à-dire na 1884. Maintenant député na biso a répondre ye. Awa bazana parlement panafricain. Na ko na ko se répéter parlement panafricain et ça neti parlement européen où chaque député na Afrique, chaque pays atindaka 5 députés. Bisotosa a 5 députés, Rwanda 5 députés, Malawi 5 députés, Madagascar 5 députés, Égypte 5 députés, ne bakuta na kakuna, kuna bakuta na ki, Rwanda azo réclamé ma belé. Maintenant, ba député na biso, babandaki kouye bate. Ba député na biso, babandaki kouye bate. Parce que makambo oyo, balobaka yango, nase nase. Lere balobi boye ba député ndenge boyo kiye alobi oh biso to bade ko ye bate biso to bade ko kanisa ke ba Rwanda bazolu kande ba minere na biso nzoka kande balinga kama bele na biso maintenant lere ba député na biso bazongi na Kinshasa basali rapport et pas ya obe minako minako asali rapport na gouvernement parallèle oyo kabila zala kinango bango balobi koloba eloko moko te biso moko to gérer problème oyo soki toyebisi ba député soki toyebisi population soki toyebisi ba ministre balobaka président Joseph Kabila kabange ya Rwanda bako lobakaka président na ndeko na Paul Kagame basali complot nde babandaki ko gérer na ndenge babandaki ko gérer problème oyo nde na ebisibino Kabila zéro faute na niveau oyo mais na niveau national asana ba faute ebele donc awa tozo parler na niveau international il ne faut pas mélanger niveau international na niveau national batu bakufi ebele. Aza na problème na biso na Chebeya. Na niveau national, aza na problème na biso na Tungulu. Na Rossi Mukende. Kapangala. Wana tozo loba yango te. Alors, bon confondre te ke wechi alobi, Kabila, zéro faute. Mais, ye wechi, amona ki, ndenge baboma ki Arma Tungulu. Eza problème nano ya Arma Tungulu. Arma Tungulu, eza problème interne. Ya kati ya ndako. Awa toza na problème avec un étranger. Nde toza li bloc. To bonisi nano étranger. Soki to bengani étranger. To ye ko zonga na kati ya famille. To bandi ko jige ye. Bo comprendre ngay na période wa. Maintenant. To tuna ki pe Louis Michel. Est-ce que solution oyo. Papa, Mouzito aouti koloba ya guerre. Est-ce que c'est la solution moko? Na maloba nyonso oyo papa Mouzito alobi, a pesake trois solutions. Na trois solutions oyo papa Mouzito aouti ko pesa, il faut ko yeba makambo ya kate. Po, o distingue les trois solutions. Maintenant, Tolanda député na biso kaka na parlement a pesa ki ba solution comme ça to ko zonga pour ya ko expliquer bino comment moi je soutiens 100% discours ya papa Mouzito to continue na député na biso solution
Excusez-moi, c'est très important, Monsieur le Président. Il y a trois pistes. Il y a la piste diplomatique. Et encore que dans la piste diplomatique, il y a la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Nous sommes parlementaires ici. Et j'ai l'impression que nous nous retrouvons dans un prétoire où les uns accusent, où les autres se défendent. Or, il ne s'agit pas de cela, Monsieur le Président. Il s'agit tout simplement de dire la vérité, car la vérité nous affranchit et nous libère. La deuxième piste, c'est la piste politique. Et là, Monsieur le Président, autant de sommets qu'il y en a eu, la bonne foi ou la mauvaise foi est établie d'un côté comme de l'autre. Nous le savons. Et la troisième et dernière piste, Monsieur le Président, c'est la piste militaire. Le Congo ne se laissera plus faire. Le Congo ne se laissera plus faire. Et au moment où nous parlons, les événements sont en train de nous donner raison sur le terrain. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Bah, maman, va te demander quoi, Bolandi. A donné trois pistes. Donc, piste militaire, piste diplomatique et piste politique. Diplomatique na politique, c'est-à-dire négociation. Militaire, c'est-à-dire ne oyalobi, il faut faire la guerre au Rwanda. Il n'a pas dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Il a proposé des pistes de solutions. Mes chers amis, Nandewana, Batouya, Bataliban, excuse-moi les termes, hein, ça peut choquer. Nabenga Bangonin, Batouya Cash, Taliban, non, bon, excusez-moi, ça choque aussi, hein, c'est réducteur. Batouya Cash, et puis, Batouya Entourage, appelé le président Félix Tshisekedi de Tshilombo, va comprendre l'eau comme mon côté, parce que Bayemi Makamboya Katite. Tout y a maï dans mon côté. Babandi kofinga papa Muzito. Papa Muzito ne fait que répéter ma kambo. Oh yo Cyprien, ouais, tiens, l'obaka. Bon, mon inégé tokei na ba image à l'appui. Papa Félix Tshisekedi Tshilombo doit avoir des gens capables autour de lui. Des gens où il va maîtriser ma dossier. Mais il a des réactionnaires. Il a des combattants autour. Naye, oh, yende azui mena place ya président Joseph Kabila Kabange. Ndenge to bandeki kofinga président Joseph Kabila Kabange, nde to kofinga ye. Yende il faut amema aya na ba solution, me ba tunaye papa Muzito apesi ba proposition. Ya bien Batunaye ba komi ko finga papa Muzito. Eza la kabongo te quand même. On n'est pas. Quand même, toza batu na mitu. Bozo dirige nde batu, oyo basa na mitu. Bozo dirige ba nyama te. Bozo dirige ba nzete te. Bozo dirige ba mbisi te. Bozo yoka batu ya kaj. Awa, tozo bunda pona mabele na biso. Nga e Cyprien wechi. Pona mabele ya Congo, mutu nyoso, azala ya kaj, azala ya peperde, azala ya lamuka, azala combattant, azala résistant, soki ayena di kambo ya bien, poto retrouver autonomie, poto silisa, guerre à l'est de la République démocratique du Congo, na kozala derrière ye. Loko la président Félix, na Genève, ayaki na solution. Il y a pour éviter guerre au Babadé qu'on prépare Ango sur le plan international. C'est pourquoi Naloba qui Félix a sauvé le Congo. Parce qu'on voulait organiser une guerre à partir de la machine à voter. Batia qui n'a mis tout à battre. Que machine à voter Oana. Et sa machine à tricher. Bon, bouka ba machine. L'air tolinga ko bouka ba machine. Ba sode à Kabila ba linga ko empêche biso. Ba bomi biso. Ba ango ba ye. Mouboulou e bimi ba balkanise. IDPS en disant avec ou sans la machine, nous irons aux élections. L'IDPS a sauvé le Congo. C'est pourquoi j'avais dit Félix a sauvé le Congo. Aujourd'hui, na lobby ni sousou, Muzito donne des pistes de solutions. Il faut qu'on l'ande à papa Muzito.
Mais batu oyo ndenge na lobaki na Genève Félix a sauvé le Congo ba finga kingai lelo ba komi ko pesa ngai raison ba bimi lisusu c'est Muzito qui a raison. Il a proposé trois pistes. Piste à Liboso à lobby. Ton mené guerre, piste militaire. Député Nabiso à lobby, piste militaire. Annexer Rwanda, ko beta bango. Ba Rwanda nyonso. Oyo baza na Congo, ba zonga ipa na bango. Ndenge bolobaka Joseph Kabila kabanga aza na Rwanda ko zoyé bisaka naye. Allez, Rwanda. Bisengimana, Rwanda. Rubero, Rwanda. Nyarugabu, allez, Rwanda. Deo Rubiza, Rwanda. Tusi, Utu, toi, Bao, Bino, Yusu, Bozana, Congo, allez, Bozongi, Pena, Bino. De piste, yadi Boso, Oyo, Papa Muzito, a proposé qui yango. Namoni, Batu, Bele, Bakomi, Kokota, Razo, Kokota, Affaire, Okende, Koloba, Tozo, Luba, Mingi. Ah, merci beaucoup Désiré. Nzambe azo sunga biso. Départ. Des solutions oyo alobi et puis Rwanda yango annexé Paul Kagame to Tiwana. Police ya liboso. Pe aye ko proposer solution ya mibale politique et diplomatique. Alobi. On peut consolider CPGL. CPGL, c'est-à-dire Communauté économique des pays des Grands Lacs. Wana ezali communauté wana ezalaka na yango, c'est-à-dire ezalaka na trois pays: Rwanda, Burundi na Congo. Basalaki yango na tango ya maréchal Abiarimana na ba Michombero. Donc Congolais akoki kokende na Rwanda sans kofuta visa. Rwandais akoki koya na Congo, na Burundi, circulation des biens, services et des personnes. Mais chaque pays garde ses frontières. Ce qui bolandi a lobby Congolais akoki kokende na Rwanda asali ba faire naye. Wana na ko expliquer après. Maintenant, position oyo ya Papa Muzito. Donc, position des solutions. Trois solutions. Diplomatique et politique. Et à côté, il y a guerre. Et à côté, il y a arrangement, il y a dialogue. Et à côté, il y a guerre. Maintenant, tokende koyoka. Communauté internationale. Bango va proposer nini. Ben ça, pour la guerre ou bien pour solution y a dialogue. Solution y a dialogue, nde dialogue entre Rwanda, Burundi, na Congo, nde balobi solution diplomatique, politique, dialogue entre les trois pays. Donc, tout ça, n'a des solutions. Solution y a dialogue, na solution y a guerre. Papa Muzito a pesaki les deux solutions. Bino bozui kaka solution oya guerre Papa Muzito alobi il faut annexer le Rwanda. Non, il n'a pas dit ça. Il a donné des pistes de solutions. Oyo bo comprenez qui était parce que boyebi dossier était boza ba aventurier boza entourage à président Félix Tshisekedi boyebi ba dossier était des aventuriers. Quand je vois sur le net nenge ba tunyoso contre Papa Muzito, baso fingaye. Est-ce que pour la nini baso fingaye? Est-ce que vous maîtrisez le dossier? Maintenant, Tolanda, communauté internationale, parce que biso tolobaka na image, na idéologie, na image. Olobi, opesi image. Olobi, opesi image. Oli akoya kaka na banalize, oza na image te. Yango population. Ezolanda bino na ndenge ya mabe. To kende basi bisi tulubaka na ba image. Ezale zabide wechi.
internationale. Les amis de Wichi International, hein, Tolanda. L'histoire de l'Union européenne, en général, je la connais bien, puisque je participe largement à la définition de la position de l'Union européenne. La position de l'Union européenne n'est pas celle-là. On n'a pas parlé de cette question-là. La seule position de l'Union européenne, c'est de dire, et je défends ce point de vue très fortement, c'est de dire qu'à l'Est, je ne parle pas maintenant du problème de M. Nkunda, à l'Est, nous ne croyons pas à l'option militaire pour un règlement définitif de la question à l'Est. L'insécurité à l'Est, elle est évidemment certainement occasionnée par des rebelles comme M. Nkunda, mais elle est aussi occasionnée par des problèmes qui n'ont toujours pas trouvé des solutions quant au fond. Et la cause de ce qui se passe à l'Est, les causes de ce qui se passe à l'Est, doivent être réglées de mon point de vue politiquement. Il y a des frustrations à l'Est qu'il faudra rencontrer, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Et moi, je n'ai jamais cru à l'option militaire. La question de la représentation ou la question des frustrations des populations de l'Est doit être résolue politiquement sur le terrain. Il faut retirer, en fait, d'une certaine manière, les prétextes de ceux qui utilisent cette frustration pour commettre des actes à la fois irréparables, gravissimes et inacceptables. Tout reprendre les sous, Boyoka, Boyoka bien. Tout reprendre les sous. Tout reprendre les sous, Boyoka. La position de l'Union européenne, en général, je la connais bien, puisque je participe largement à la définition de la position de l'Union européenne. La position de l'Union européenne n'est pas celle-là. On n'a pas parlé de cette question-là. La seule position de l'Union européenne, c'est de dire. Et je défends ce point de vue très fortement. C'est de dire qu'à l'Est, je ne parle pas maintenant du problème de M. Nkunda, à l'Est, nous ne croyons pas à l'option militaire pour un règlement définitif de la question à l'Est. L'insécurité à l'Est, elle est évidemment certainement occasionnée par des rebelles comme M. Nkunda, mais elle est aussi occasionnée par des problèmes qui n'ont toujours pas trouvé des solutions quant au fond. Et la cause de ce qui se passe à l'Est, les causes de ce qui se passe à l'Est doivent être réglées de mon point de vue politiquement. Il y a des frustrations à l'Est qu'il faudra rencontrer, qu'on aime ça ou qu'on aime pas ça. Et moi, je n'ai jamais cru à l'option militaire. La question. Boyoki, ba maman, ba tata, bandeko. Yé, azoloba, na kombo ya Union européenne. Ndé sur le plan international, pour na bango, il faut Rwanda, Burundi, Congo, Tovanda. Toloba makambo farafar. Toloba makambo farafar. À lobby, il y a des frustrations. Frustrations, c'est-à-dire, ba Rwanda, bazo reproché Belgique. À l'occurrence, Léopold II. Que Léopold II a zoak mabele na bango. Mabele à Rwanda, Léopold II a zoak a pesi yango na Congo. Si koyo biso na Rwanda, surpopulation, toza na espace te. Bozongi se la biso, mabele. Ba belge ba lobi te, Léopold II azwa ki mabele na biloté. Eza mabele ya Rwanda. Donc, toza na deux versions. Des versions rwandaise, ba lobi. Biso toza na mabele na bango. Donc awa eza likambo ya mabele. Lokola biso tozo bundela mabele ya Congo, bango pe bazo bundela mabele ya Rwanda. Biso pe tolobi te, tozo ki mabele na bino te. Et puis encore loi elobaki. On ne peut plus revoir les frontières. On ne peut plus revoir les frontières. Ba américain ba lobi na ba anglais, il faut ko zongisa. Ba belge na ba français. Balobi kozongi sate. Nde sur le plan international, c'est là où j'ai rejoint Papa Mouzito au moment où alobaki CPGL. C'est sur le plan international, bazwaki mena décision pour arranger problème oyo. Décision nini bazwaki sur le plan international. Papa Mouzito a yébi parce qu'il est le premier ministre. Abandaki ko traité makambo oyo parce qu'il est le premier ministre a yébi yango. Mais a koloba tout droit boyete a lobby yango na ndenge ya parabole.
pour ne pas s'attirer des ennuis. Alors, ba journaliste o bazala ki na conférence de presse, so ki ba maîtrise ki dossier, nde ba de ngaki ko comprendre et loko nini papa Mozito a lobby. Et loko nini papa Mozito, message nini papa Mozito a transmettre na peuple congolais. Loko la peuple congolais, a yebi makambo o ya dossier te. Ba ministre belé ba yebi makambo o ya dossier te. Ba journaliste ou basaki na kati ba yebi makambo ya dossierte. Ba combattant ba yebi makambo ya dossierte. Diaspora mobimba ba yebi makambo ya dossier oyote. Ba résistant ba yebi makambo oyo ya dossierte. Moyen ya ko comprendre papa Mozito il n'y en a pas. Heureusement. Ndenge nzambe linga ka Congo. Ndeko na bino azalaki na kati ya communauté internationale. Les amis de Wetchi International, nambongo na biso, ont dépensé notre argent. C'est ce qui fait la fierté des amis de Wetchi International, parce que moutou mon côté atinda ki biso kuna, apé si biso mbongo, kende ko filme boye na boye. C'est initiative privée, avec des fonds privés. Fonds, il y a les amis de Wetchi. Moutou mon côté apé sa mbongo pour ya ko zwa ba image oyo. Afrique du Sud, tu es un la vie. Tu es un voyage. Jour mon sousou, na kobanda kola kisabino, bomoni passeport nangaye oya ba belge. Bomoni passeport nangaye ba belge. Soki otali ba visa. Oye za nakati, jour mon sousou to go kende. Eza ebele, ebele. Omoni neti oyo. Visa. Burundi. Biso to bande ko travailler au moins neti awa parce que bino bolinga ka tembe visa ya Burundi yango bomoni ya Burundi 2006 la 2006 to zaki na Burundi ko sala ba reportage parce que bino bomoni oyo parce que congolais alinga ka tembe attends. Bomoni oyo, eza visa ya nini? Congo Brazza. Visa ya Congo Brazza. Biso yo, tu bade ko voyager na ndenge ya ko sakanate chaque fois. Omoni ba visa neti oyo. Congo, Congo. Eza ebele na ko banda ko lakisa bino ba visa ebele. Omoni visa ya oyo. Angola. Biso to bade ko voyager. Omoni visa oyo ya pays nini Gabon. Gabon. Visa ya Gabon yango. Soki na yana ba omoni oyo. Chaque fois Congo. Biso to bade ko tambula. Omoni visa oyo ya pays nini ambassade. Omoni visa ya pays oyo Uganda. Parce que bino bolinga kaka batembe soki batu bavandi. Omoni visa ya pays oyo Rwanda. Bon, c'est pour vous dire qu'on voyage ndenge nini. Awa na Belgique, ce que vous êtes journaliste professionnel. Ce que ministre a voyagé, a tindi invitation. L'avion est gratuit. Mais frais de séjour à charge de chaque rédaction. Neto bale ko voyager na avion gouvernemental belge. Lui Michel, ce qui a kena Rwanda, to kenaye. Mais na Rwanda, bino moko bo futa hôtel d'Abino. Damage na bino. Parce que bango soki ba pesi yo hôtel ba pesi d'abord j'ai sa corruption et puis ba ko futa bino primité lokola président Fachi soki a voyagé na ba journaliste a futé la kabango billet a futé la kabango hôtel pe a pesa kabango mbongo ici en Europe ce n'est pas le cas
ndebo baneko mona kaka biso ba les amis de wito baneko voyager ba journaliste mosusu bazala ki na possibilité ya ko voyager ba banda ki kolinga ko dépenser mbongo na bango te na ba hotel kuna na kende ka ko filmer na dépenser mbongo na ngai ba image wana na ko gagner nini intérêt na ngai eza nini mais biso ba les amis de wito baneko loba tokende kaka na esprit ya voyage ya ko découvrir d'abord ba pays. Parce que je ne paye pas les billets, malgré que bah, frais de séjour kuna, c'est mystique. On vous oblige, hein, hôtel, oyo, bah, journaliste, yoso, bah, ou vanda, de bovandi. Bon, ou kenede ti da kigali, bovandi na hôtel ya mille collines, hein, kuna, chambre, c'est bah, 150 par jour, hein. Et comme to bané ko voyage à 3, moutou la moutou a cotisé mbongo na ye. Ngai na koyana 50 euros. Alimi a koyana 50 euros. Victor a koyana 50 euros. To sali, to zui, chambre moko. Biso toi, to ladi wana. C'est comme ça on voyage. Jour mosusu, Alimi il faut qu'expliquer. Alimi maintenant il faut expliquer. Tu ne peux pas laisser ton vieux comme ça. Bazo finga ye. Yo yebi réalité que tu bané ko zwa mbongo te. Allez, Alimi a na ba émission na yo. Expliquer comment on a voyagé. Comment on voyage? Expliquez comment tu bandaye ko souffrir. Expliquez comment na bandaye ko peki sabino ko zwa mbongo ya batu oyo baneki na les amis de Weche. À un certain moment, Alimia, tu dois maintenant défendre les amis de Weche. Parce que tu yebi nenge tu bandaye ko souffrir. Ba biloko nyoso to yebi yo oza artisan ya biloko oyo. Expliquez comment on voyage. Comment on dépense. Comment tu banaki neti na Gabon? Tu zalaki 5. Parce que l'équipe na biso zalaki na 4 personnes. Tu zalaki 5. Biso nyonso na chambre. Parce que tu zalaki na mbongo ya kufuta chaque journaliste chambre naye, chambre naye. C'est comme ça. On a eu ces images. Et ces images, j'en suis fier aujourd'hui. Et ben, ni qu'au servir. Congo. Bon, moni, nde. Position. Maintenant, sur le plan international, bazwaki décision. Tozongalano na masolo ou ya conférence de presse. Babilo ki aboye, okomona batu, bako partage te. Moi, je m'en fous. Les rares personnes ou ya qualité, bazolanda émission ou ya les amis de Wechi, bangonde bazo apprendre, binonde bo partager. Makambonyo soyo, leke mama sifa, damona ki bangote. Sur le plan international, bazo ki décision boy. De décision oyo, papa nani muzito auti koloba. Papa muzito auti koloba, na conférence de presse na ye, et sa décision oyo bazo ki sur le plan international. Il faut relancer CPGL. CPGL, communauté économique des pays des Grands Lacs. Avec principe, chaque pays garde ses frontières. Makambo ya kozongi sa mabele na Rwanda, ezate. Makambo ya Rwanda, ko réclame mabele na Congo, ezate. On ne peut plus revoir les frontières. Sur ce plan-là, Kabila a gagné. Parce que Kabila et les Belges défendaient les positions. C'est pourquoi j'ai dit que Kabila a réussi sur le plan international. Zéro faute. Bolinga Kabila. Bolinga Kabila. Ça, il a obtenu. Ndenge na yebisa kibino, mutu soki asali eloko na ye a bien sur le Congo, ngai témoignage na kolobela. Or, Kabila n'a pas été. Sur le plan international, gouvernement Kabila a joué à Kiango. Réunion Ezalaki Awa na Belgique. Beaucoup de monde a l'image. Réunion Ezalaki na Belgique. Maintenant, Balobi, CPGL, Bosala, Lokola, Union Européenne. Donc, Benelux. Lokola, Benelux, Benelux, Ezali. Luxembourg, Hollande, na Belgique, avant l'Union Européenne. Bango, ezala ki circulation de biens et de personnes. Ok, Hollande, visa ezate. Ok, Luxembourg, visa ezate.
un Belge peut s'installer na Luxembourg à sali société naïe au Mouseto. Alobaki, mais en suivant la constitution, les lois et règlements, il y a pays oyo étranger à qui qu'on s'installer. C'est par exemple un Rwandais peut venir au Congo à sali société naïe. Pour y avoir la société, il y a loi congolaise à suivre, la loi congolaise nyon soit sali société naïe. Loi congolaise est lobby, ce qui est sali bénéfice, il faut qu'on foute un impôt, il y a 40%. Rwandais, la société naïe, à sali bénéfice, il y a combien? 1000 dollars. Na 1000 dollars, Rwanda a foutu 40%, c'est-à-dire 400 euros. Azu 400 euros na 1000, a foutu na l'État. 600, oyaye, le coup la multinationale, a koki. Kotinda yango na Rwanda. Tout comme un Congolais peut aller au Congo, nde ba lobby circulation des biens et des personnes. Visa, ezala li soussouté entre cet espace économique. Comme ça, les troubles. Oyo ya population ya ba Rwandais peuvent venir au Congo, travailler au Congo comme aujourd'hui les Français travaillent. En Belgique, hein, tout comme les Belges travaillent. En France, Italie est comme espace économique. Par exemple, dans le lac Kivu, ils ont toujours exploité gaz. Rwanda a toujours exploité gaz, c'est une expérience. Toki ko pesa gaz ya lac Kivu, Rwanda exploité. Rwanda akoya mena ko sala société na kati ya Congo selon ba loi et règlement ya Congo. Congo est lobby pour ko exploiter gaz na biso, il faut qu'engager population locale au moins 5000 personnes. Impôt est kozala 50%. Rwanda a engagé 5000 personnes. Ce qui a sali 1 million divisé par 2, 500 000 à personne à l'État, 500 000 à Mémi Ango na Rwanda. Et puis, ce qui mène Rwanda a bandi pour exploiter Ango na fraude fiscale, Bakangi, ministère des Finances et Equity, Bakoki ko botolaye, Bapesi pe moutoumou soussou. C'est le contrat où Bako signé. Et comme ça, ba rebelle, ceux qui baringi kokota na Rwanda. Rwanda na kende kwa take Goma. Goma kuna naza la société nangai. Société nangai chaque année et pesa kangai 500 000 dollars. Rwanda mwoye bi mokile tambulaka na mbongo akoki koboya ko sala base arrière na Congo. Biso pe peut-être m'aider vers Rwanda, ils sont disciplinés. Bazo, ça les langues, na jekamine, na bundisa bango, na zanga m'aider vers langues. Des solutions oyo bazoa qui sur le plan international. Et puis balobi li soso, parce que problème c'est là qui m'y balé. Ya mabele na nationalité. D'après Rwanda, balobi. Lire bazwa ki mabele na biso ba Rwanda moko bazala ki wana baza tilelo na 1885 84 85 tilelo batwana bazonga nano na Rwanda te mais ba Congolais bazolo bakaka bazonga na Rwanda batwana bo pesa bango nationalité mena avant ko pesa ba nationalité soki balingi batwana. Parce que les Rwandais, mosusu malgré baza kuna ba boy nationalité congolaise batikali na bango kaka ba Rwandais ba oyo balingi kozwa nationalité congolaise bo pesa bango sur demande na bango ba oyo ba boy comme awa ngai na sala ki demande pour devenir belge il y a des congolais oyo ba boy na bango passeport oyo balobaka na bango ngai na kozwa passeport ya pays mosusu te. Na kotika la kaka Kongole ti jour na kokufa. Na ba Rwanda ba sabon, ba oyo, ba ye. Bo sa de enquête, bo lobi, koko na ye azalaki awa. Azongi nanu na Rwanda te, ba pesi ye,
nationalité. Ba oyo ba yaki na 1920 po ba kende na ba mine bo pesa na ba nationalité sur leur demande na ba 59 bo pesa. Mena ba oyo mosusu neti bolobi Rubero yaki na 1970. Lelo 49 ans na Congo. Ayaki na 80. Lelo combien? 39 ans na Congo et ko sala 40 ans moto ya boye. Il peut demander aussi la nationalité, comme Bisso. Tout cela qui moins de 10 ans, tout c'est une nationalité. Ne basenga qui na Congo a fixé ba critère ya demande ya nationalité. Et ça la kate. Ce que vous avez à Goma, vous demandez la nationalité. Il faut kaka, ou ya na Kinshasa, ministère des Affaires étrangères, il faut président. Ah, zwa décision. Même Ndingari. Kosenga nationalité nde basenga kibiso balobi lisusu ba mama batata bandeko to sala circulation de biens et de services réunion wana ezalaki awa na Belgique tolanda parce que biso to sala ki reportage à réunion wana CPG PGL, des termes, oyo, papa Mouzito, alobaki, il faut relancer ces PGL. Mais Batou, Bazo comprendre yete. Batou, Bazo comprendre yete. Ah, bande konangae, oye, li kambonini, Bazo comprendre, papa Mouzito, Azo loba makambo ya Moutouya, mais Aza la chance te. Ya Batou, ko expliquer makambo. Bonan. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Télématongué. J'ai le plaisir cette semaine de vous présenter l'actualité africaine. Alors sans plus attendre, je vous propose de découvrir le sommaire de cette édition. Rencontre à Bruxelles entre la Chambre, le Sénat belge et les pays de la région des Grands Lacs. L'homme d'affaires belge Georges Forest tente d'éclairer la presse belge sur ses activités au Congo. Une première pour la communauté congolaise de Belgique, des élections symboliques organisées par le COPEC. Télématongué continue à faire appel à votre générosité dans le cadre de l'opération Un banc pour tous. Et enfin, nous terminerons en musique avec l'artiste Ramazani. Je vous disais en titre, une conférence sur la région des Grands Lacs s'est tenue ce 9 et 10 mai dernier à Bruxelles. En effet, les présidents des assemblées parlementaires du Rwanda, du Burundi et de la RDC ont répondu présents à l'invitation de la Chambre et du Sénat belge. Au programme, tenter d'apporter des solutions aux questions humanitaires et sociales qui touchent ces différents pays. Quelques précisions avec Kito Isimba et Cyprien Wichi. Peu de temps avant son départ pour la Commission européenne en juillet 2004, Louis-Michel, alors ministre belge des Affaires étrangères, avait tenu une dernière réunion avec ses homologues rwandais, burundais et congolais. À l'ordre du jour, la remise sur pied d'un organisme quelque peu moribond, la CPGL, autrement dit la communauté économique de la région des Grands Lacs. Boyoki CPGL. Bolanda interview à Mouzito, Komboana à Lobaki, CPGL. Et puis, tokende nano tozonga bomoni awa tozala ki représenté na ministre ya MLC Antoine Ngonda na compte ya MLC na réunion ya ko relancer CPGL oyo papa Mouzito alobaki le papa Mouzito azoloba biso tozo comprendre makambo wana mais batu oyo bayebi makambo oyo te bako comprendre te. Bomoni, Belgique, Louis-Michel, Abengi, ministre des Affaires étrangères à Burundi, à Rwanda, na ya Congo, et puis, ba président ya ba chambre na Sénat, ba kouya koukoutana, pour ya kou relancer, pe ba signaki, ba accord. Tokende. Louis-Michel, alors ministre belge des Affaires étrangères,
avait tenu une dernière réunion avec ses homologues rwandais, burundais et congolais. À l'ordre du jour, la remise sur pied d'un organisme quelque peu moribond, la CPGL, autrement dit la communauté économique de la région des Grands Lacs. Le Rwanda sera jusqu'à la fin des temps le voisin du Congo et vice-versa. Et le Burundi aussi, et même d'autres pays. On ne peut pas changer la nature des choses. Et donc il est inscrit dans les astres que ces peuples vont s'entendre et doivent s'entendre. Et je voudrais dire que les populations sur le terrain, je crois, ne demandent qu'à s'entendre. Toutefois, le rôle attribué à la CPGL n'aura pas manqué de susciter la polémique. Et puis, manifestation Zalaki Libanda, ba Congolais, ba boy, parce que ba Zalaki na information te, et loko nini tozo sala na kati, loko na lelo, ba ye ko manifeste li sousou na discours ya papa Muzito, chek fita a Zalaki wana. La CPGL, nous n'en avons pas besoin en ce moment parce que il y a un état de guerre entre le Congo et le Rwanda. La priorité serait de rétablir la paix au Congo. Et après la paix, on pourrait à la rigueur voir dans quelle mesure on peut rétablir les relations économiques. Nous avons l'exemple de l'Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait l'Union européenne, pas durant la guerre mondiale, bien après. Un an plus tard, le projet de relance d'une instance de concertation, soit-elle à caractère économique, a fait son chemin. Ainsi, les présidents des assemblées parlementaires rwandaises, burundaises et congolaises se sont rencontrés à Bruxelles ce 9 et 10 mai dernier, suite à l'invitation de leur pendant belge. Il y a quelques mois, nous avons eu l'idée d'essayer aussi, en dehors des autres voies de pacification entre ces trois pays qui sont voisins depuis toujours et pour toujours, d'ouvrir une sorte de voie parlementaire de rencontre et de dialogue. Et nous avons eu quelques peines à réussir cette opération parce qu'elle est unique. Elle n'a jamais eu lieu où les présidents des parlements du Congo, du Burundi, du Rwanda, à l'invitation de Mme Lizin et de moi-même, sont venus travailler en commission fermée, close, loin du public, loin des médias, sur la possibilité de structurer un dialogue entre ces trois pays. Et la déclaration commune que nous avons négociée entre nous, qui a été signée par les huit présidents, est finalement quelque chose d'exceptionnel dans les temps qui courent. Espérons dès lors que la CPGL servira véritablement d'espace de dialogue économique et social qui tiendra compte de l'intégrité territoriale de chacun des pays de la région des Grands Lacs. Le boyoki. Président et assemblée na Sénat, il y a Rwanda, Burundi, il y a Belgique, Bazalaki 8, Basignaki Bakor. Bakor Rwanda, Oyo, Moutulamoutou, a gardé intégrité, il y a pays naïe. Namoni, papa Patrick Kankou, parfait Kankou, ba joyeux Noël, ba bonne année, malgré que tu sois na gangaï na yo, mais bon, et ça kaka bon. Lobe la paix pays na yo le Rwanda ni otingami na mboka ya batu boye. Non, boko perde toko perde Congo. Makambo wana eza te, awa eza sentimate. Eza ki noazirite. Tika nano ba blague, eza makambo ya serie parfait. Kanku d'ailleurs, joyeux Noël, ba bon année, eza makambo ya serie. Situation économique, ya guerre toko longa yango te. Bandeko na yo ba Congolais nga Rwanda, bandeko na yo ba Congolais ndenge omoni ba signaki ba document ke ba organiser CPGL. Ba document wana Kagame azo respecter ba document wana. Bino bozo respecter ba document wana te. So ki to landi neti parfait Kankou. Ba kozwa mabele oya biso ba Congolais ba pesi na Rwanda parce que les États-Unis, les Anglais. Et puis, so ki biso, to respecte ma kambo oyote, to koyo ki sea, soni ba Belge, ne ba Belge bazali sousou na ma kambo oyote. Et comme armée na biso, eza infiltré, to ya ko perdre ma belé.
Bazoko sala ndenge nini papa kankuna ebisa yonga i Rwanda na ebisa yo strategie ya biso ba Rwanda parce que yo tinga na Rwanda bo ngai nandimi Rwanda tozo sala ndenge nini place oyo bande ko na bino bazali toye to bomi 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 bino lokola bino bokima kana bino bokimi botique espace biso to okipe tozo zo mabele na bino yo za wapi kende na minovu kende na minembo zela to kende na ba image oyo inza parfait kanko ezali les amis de Wetchi international eza Cyprien Wetchi te les amis de Wetchi international eza équipe mobimba omoni neti oyo mwana oyo aza mwana ya les amis de Wetchi international omoni mwana oyo Eza mwana ya les amis de Wetchi international. Eza mwana nabino oyo aza mwana na ngai. Journaliste ya les amis de Wetchi international. Soki okangi miso okanisa mundele nde azoloba. Bana nabiso baza mayele. Tala oyo. Mwana nabiso. Et enfin, nous terminerons en musique avec l'artiste Ramazani. Je vous disais en titre, une conférence sur la région des Grands Lacs s'est tenue ce 9 et 10 mai dernier à Bruxelles. En effet, les présidents des assemblées parlementaires du... Yé Aza Véronica, journaliste et à les amis de Wetchi International. Moi, nanabino, ou yaza moi, nananga. Et c'est un côté. Yo, yo, ou attaque kaka, ou attaque Wetchi. Nga y Wetchi nabandeke kobima, pour yako maintenir les amis de Wetchi International maintenant... Na bande ko bomba ba journaliste les amis de Wetchi. Niveau yo média ta mon côté asana journaliste alobaka français boyete. Diaspora mubimba boye bisa nani alobaka français lokola mwana ya Cyprien Wetchi. Journaliste ya Cyprien Wetchi. Reportage oyo boti kolanda. Et ça, reportage monté et réalisé, filmé à 100% par l'équipe des amis de Wetchi International. Banana bino, oye baza banana nga. Quand même, il faut tout commissaire à banana biso. Banana biso, n'ont rien envié, n'a pas journaliste au bazo le kana TV5. Il y a père au kiko le kana TV5. Français n'a yé, ça n'a pas bakouté. Et ça n'était lingala ya Cyprien Wetchi, ils ont kende à gauche, à droite, au centre. Azolo ba français sa mabaku. Il faut ko kumisa. Ba tu oyo, bazo sala musala. Ndenge olobi idiot. Ngaye idiot, mais idiot ne peut pas réaliser un travail à boye. Omoni ndenge les amis de Wetchi International et rendre yo mutumoko ya pamba. Même ba tu nyoso bazo landangaye. Ba koloba, ah, en tout cas, papa Wetchi. Asala musala bana oyo na encadre oyebi place azali aza porte parole ya grande opération awa na Belgique opération 11-11 mwana oyo les amis de Wetchi les amis de Wetchi international tika ba blague papa tokomi ko défendre mabele na biso awa makambo ya kinoiserie ezali susute. Il faut batunyon so basa la derrière papa Muzito. Ce n'est pas parce qu'il est de la mouka ou pas. Non, parce qu'il est nationaliste. C'est le patriotisme qui règne ici. Koya kanaba blague ya boyete. Kende na site mosusu papa parfait kanko. Ici c'est la qualité. Yozo mona na sali émission. Pendant 1h30 moutoumo kwa so finganga ite. Omoni ba kongole ba zoba. Batu oyo bakoti awa bazoba yonde okoti obimi zoba parce que tu ne comprends rien obimi zoba ya zoba oyo niveau na yote talanan oyo za niveau na yote lo toke de nan oyo za niveau na yote oyo za ba niveau ya ba TF1 eza ba niveau ya ba BBC ya ba CNN et ça va niveau ya ba RTL bolanda bo mwana oyo ya les amis de Wetchi mwana na biso elengi boyo kayenana.
En effet, les présidents des assemblées parlementaires du Rwanda, du Burundi et de la RDC ont répondu présent à l'invitation de la Chambre et du Sénat belge. Au programme, tenter d'apporter des solutions aux questions humanitaires et sociales qui touchent ces différents pays. Quelques précisions avec Kito Isimba et Cyprien Wichi. Peu de temps avant son départ pour la Commission européenne en juillet 2004, Louis-Michel, alors ministre... Tout continuer, tout l'Olanda était, bateau, oyo bazo l'Olanda. Wana eza point de vie na yo, toza na demokrasi. Eza point de vie na yo, toza na demokrasi. Tika biso ba ambroyema, toza li na periode wana. Nde bazwaki décision sur le plan international. Maintenant, avec la Belgique, la communauté internationale, nde bakende ki ko retrouve ba borne. Tracé par Léopoldé. Il y a 1884-85. Pour y'a qu'on tracé ma frontière. Na Goma, batunyo soba lobi, ah, Kabila, ateka ki ma belé. Eh, tozala ki na Goma. Ba keyi ko trouvé ma borne fixée par les Flamands. Pour y'a qu'on tracé frontière. Il était question. Bolanda, sikoyo toke na Goma. Les amis de Wechi, toke na Goma, kolakisa bino. Nde na ebisa kibino. Kabila, sur le plan international, zéro faute. Il a d'abord obtenu, ba garder intégrité territoriale. Se akope sa mabele na biso, na Rwanda. Et puis, na Goma tokei. Ba nani ba kotaki na pays mosusu. Est-ce que biso ne tokotaki na Rwanda ou bien Rwanda ne akotaki na pays na biso? To continue ba mama ba tata bandeko biso toke mena na Goma. Awa eza histoire. Toke na Goma Cyprien Wichi biso to tambulaka pona Congo tozalaka partout. Nenge ezali toke na Goma ba mama ba tata bandeko bolanda. Ba mama ba tata bandeko le loto ke na Goma si je a de lo est-ce que Kabila kabangi ba to ba benga kaye Hippolyte Kanambo le Rwanda boya kabangi. Est-ce que a teka ki mabele na biso na Rwanda ou bien biso ne tokota ki na Rwanda lelo ekoyebana bolanda toza na Goma. Léopoldé, moto oyo apesaki biso grand Congo akozonga lisusu te. Ba biso oyo de to remplacer ba Livingstone, ba Stanley, ndenge na yisala bino bana poto, bino kana na poto, ah, ba konje. Ba teki mabele na biso na Rwanda, je suis sur le terrain. Oyo eza 6e borne fixé par les Belges. Les Flamands, yango tozo tambwisa micro na biso, balobi il faut ba installer zone neutre. Parce que ndenge tokande ko vivre na ba Rwandais, tokande ko yebate. Parfois, ozo kanisa ke oza kote a Congo, or oza na Rwanda. Ba Rwandais pe bazo kanisa bazera kote a Rwanda, or baza na Congo. Yango ba espere na biso ya Rwanda,
na ya Congo ba ye ko retrouver ba borne fixée par le flamand. Alors ba ko sala 6,25 côté na biso, 6,25 côté na bango. Comme ça zone neutre et ko sala. Bino na poto kaka, ah ba magoma ba teki ma belé na biso et pe ba rwandais yango to tambisa mikolo na biso sans ki ba rwandais ba bonjour ma belé na biso. Et puis tu retournes, ba vie à Goma, ceux qui va borner Oyo, nana tia qui ango. Parce que vous avez un dago, vous avez la zone neutre. Vous avez la zone neutre, vous avez la zone neutre. Côté Rwanda, côté Mosusu, Congo. Alors, confusion et côté. Neti, Ndako Oyo. Neti, Ndako Oyo. Il faut son maître. Donc, le Rwandais, il faut faire la bambo. 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 Ya sur cette awa dans la carte ya Congo sont le coup de l'écouteur pas la comme le écouteur.
Bamama batata badeko bo uti kolanda obomoni babiloko oyo papa musito alobaki na discours naye biso de tokotaki na Rwanda bomoni bana bakomi kobuka kote Rwanda babuki te biso de tokotaki na Rwanda ba chef de quartier na biso mobulu kote kama bele ya Rwanda lar na minute oyo sur le plan international Kagame aza na raison soki to landi makambo oyo papa Muzito alobite tokokoma na niveau moko communauté internationale et ko prendre décision ya ko pesa mabele na ba rwandophone nande eloko oyo na lobi je soutiens le discours ya papa Muzito. Il faut président Félix Tshisekedi ayambaye azwa ba image oyo parce que biso toza bato ya terrain to travailler to tia zone neutre oya zone neutre lobi na ko expliquer Union européenne abimisa ki mbongo Rwanda na kote na ye basadi Rwanda Burundi basadi Burundi, Congo, Basali, mais côté na biso tozo salarié. Donc, solution militaire, oya lobaki, et ça pour yako, pesa ba possibilité, oya toza na ango. Mais, il y a une solution diplomatique et politique, oya ba trouva ki déjà. Exécution ana, et so sala défaut na côté na biso ba congolais. Et là, mes chers amis, nazo yebisa bino toko ya ko perdre Congo po na buzoba. Soki to landi batu neti oyo na otanga même kombo na ete na kobanda otanga lisusu kombo na ete akomi kaka trick ya ko enerve nga ya komi po na tanga kombo na ye azwa lokumu wecha komi ko benga nga a partir ya lelo na kobenga yote na kobanda kobenga yo and by individu. Soki oza mutu ya bwanya oza individite. Soki oye na kinoiserie na makambo oyo etali Congo oza individu. Ba individu wana nga na kobanda ko répondre bango lisusu te tozo continuer. Soki to landi makambo ya ba individu. Ya ba indigène ndenge to bande ko benga bango kala. Toko ya ko perdre Congo.
Eza ndenge nini pona kosukisa botala ba image oyo parce que biso ba les amis de Wechi tolobaka na ba image tozo teya. Et puis ba tout ebelé ebelé batala kabiso, c'est ce qui fait notre force. Notre force na ba image oyo toko expliquer ba oyo baza kofinga papa Moïse, bazo finga papa Muzito, ba yebi makambo wana te, eza bien te, batika, batika. Mena, bomoni, batu oyo nyonso bazali awa. Bota. Soke oyo salamaka na butu ya l'Église au 13 août 2004. Chaque année, ba date oyo, ba tutsi congolais, ba koutanaka, pe ba bandaka na hymne national. Na système ya vidéo livre, idéologie yo, yasika, image, eloba, peli lobela yo mokwe. Ba mama ba tata ba ndeko ndenge bozo mona, eza ba tutsi congolais, so to trouver solution te communauté internationale eko benga na bango te et so toke na bango bitumba on peut faire des années et des années et des années programme moko eko za la te. Donc nous sommes obligés ya ko développer CPGL. La seule voie possible qui nous reste pour mettre fin à la guerre Oyo Ezana Est de la République démocratique du Congo et la relance et la consolidation de la CPGL.